YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va continuer un peu les Flexbox Zombies. Là, on est au chapitre 4, les Align Self. Donc, c'est comme Align Items, sauf que c'est pour une seule unité. J'avais déjà commencé et j'ai eu un petit problème technique. Et là, normalement, ça devrait bien se passer, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, de liker. Merci à tous. Et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je vais essayer de vous répondre. Voilà, c'est le basique, hein, c'est du Flexbox. Il n'y a rien de compliqué. Faut un peu connaître ses cours et puis c'est tout. Donc là, ce qu'on doit faire. La musique, elle est là ou pas encore? Si, ça y est, c'est venu. On va ajouter un peu de son. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que il va nous demander d'abord la direction. Je laisse un peu le son. Donc flex direction. Me réveille un peu, hein. Et c'est raw. Donc c'est dans le bon sens normalement. Ensuite, justifie containte flex 1 normalement. Align items flex start puisque c'est le haut. Et là notre enfant, donc c'est marqué target ends of type 2, c'est celui-là. Et celui-là il est en stretch. Donc c'est Align self stretch. Donc encore une fois, les Align self c'est la même chose que Align items, sauf que c'est pour une seule unité. Alors on va chasser, on va voir ce que ça donne. Oui, display flex. Eh oui. Ah oui. Voilà. Ok, c'est bon. N'oubliez pas qu'un ordinateur, ça exécute ce que vous lui demandez. Ok. Alors, on va refaire le display flex. Voilà. On est dans la bonne direction, pas besoin de changer la direction. Ensuite, justifie containte, c'est space between, je crois. Justifie. Voilà, space between. Align item stretch. Donc on va mettre les items en gros. Non. Non, mais non, mais non. Flex end. Voilà. Et là maintenant, on va s'occuper de notre target end of type 2. Lui, c'est Align self flex end, flex start. Voilà. C'est bon. Ah, c'est cool. Ça fonctionne. Ah ouais, ok. Là, c'est le truc du colon. Bon, bah on va essayer, hein. Alors, display flex.
Target fait mal. Display flex. Ensuite, justifie. Là, je suis un peu perdu, je me rappelle plus. On va int pour voir. Ok, colonne reverse. Ok. Là, ça va aller mieux normalement. Colonne reverse. Maintenant, justify content. Je crois que normalement c'est inversé. Hein. Justify. Justify. Content. Là, c'est flex part parce que c'est inversé si je dis pas de bêtises. Flex part. Non. Alors, c'est flex end. Non, non, c'est bien ce que j'avais fait. On n'a même pas besoin de ça en vérité. Align items. Center. Non. Flex. Ok. Et là, c'est align self center, je crois. Ok, c'est cool, c'est bon. Ça fonctionne. Donc là, faut bien rappeler que se rappeler que dans ce sens-là, on a les colonnes reverse. Ah, on est revenu au... Ok, donc display flex, il faut toujours déclarer le display flex, ça y est, on a notre cible. Ensuite, justify content. C'est space around, parce qu'ils ont le même espace entre eux. Voilà. Et là, on va. Est-ce qu'on peut copier ça? On peut pas. Car. Target. Là c'est align self flex start normalement parce que c'est le haut, donc align self flex start, c'est bon, ça fonctionne. Beautiful. Ah, là c'est dans la direction opposée. Donc on va mettre déjà un display flex. Ensuite flex direction. Row reverse. Voilà. Là, c'est activé. Justify content center parce que les éléments ils sont en centre.
Oui, étant donné qu'on est en flex direction row reverse, le N of type 3, il se transforme en F of type 1. Donc c'est celui-là qu'on va sélectionner. Donc là, ça, on met les align item center. Ils ont été sélectionnés. Et celui-là, c'est en align self. Flex 1, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça fonctionne. Ok. Alors, display. Flex. Display. Ensuite, flex direction. Column. Column reverse, ça s'est activé. Ensuite, le justify content. Attendez. On va essayer le justify content. J'arrive jamais, moi, de ce sens-là, là. Space. Non. Ok, donc là c'est bon. Et là maintenant, le align items, flex. Ok, j'en ai aligné un. Donc forcément, celui du bas, c'est align self. Center, parce que lui il est au centre. Non, même pas. Ah, ok. Je viens de comprendre quelque chose. Flex 1. Celui-là, on va le mettre au centre. Voilà. Si vous faites des erreurs, ça fait rien, hein. On est là pour apprendre. Donc, vous testez, vous regardez ce que ça donne. Ok. Là, on est encore une fois dans le sens inverse. Donc, display. Flex. Flex. Direction. Là, c'est un row reverse. Row reverse. Ok. Ensuite, justifie. Alors, attendez. Ouais, justifie content. C'est un flex start puisque ça commence. Ah, c'est inversé. Oubliez, oui. C'est inversé. Voilà pourquoi c'est inversé. Parce que flex 1 dans temps normal, il est sur votre droite. Mais avec le row reverse, tout est inversé. Donc notre target N of type 3, il est inversé, il est en première position. Il va être en troisième position. Donc le align items en haut. C'est flex start si je dis pas de bêtises. Sinon ça sera l'autre. Et non, c'est flex and. Il n'est pas inversé par contre. Voilà. Donc forcément le align self il est en flex start.
Voilà. Ce jeu, il est vraiment excellent pour maîtriser les displays flex. Il est vraiment excellent. Tu t'amuses, il y a une super ambiance, et puis tu travailles tes Flexbox tout simplement. Ok, c'est parti. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est de override the female aliments. Donc les zombies femelles, elles auront un aliment spécifique à elles-mêmes, avec le Alien Self. Display Flex. Ensuite, justifie content, c'est center, normalement. Justifie. Center. Alors, en ce qui concerne les hommes, ils sont au milieu. Donc, c'est Anime Item Center. Ah. Et pour les femmes, c'est Anime Self Flex Start. Ok. Ok. Normalement, on a fini. Puis il y a une histoire, quoi. C'est terminé pour chapitre 4. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez aimé. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Si ça vous a plu, vous mettez un petit like, ça fait plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah.